Ce sont des sprays supposés assainir nos intérieurs. Ils seraient finalement la plus grande source de pollution de nos appartements. Pour le magazine 60 millions de consommateurs à l'origine de l'enquête, ces produits suppriment peut-être les odeurs, mais multiplient les substances dangereuses. La majorité des 46 produits épinglés contient des composés organiques, volatiles, notamment le limonène, irritant et allergisant. Loin d'assainir la maison, ils décuplent la pollution intérieure. Lire les étiquettes, c'est la chose à faire pour s'informer sur les substances contenues dans ces produits, selon la FIS, une association qui fédère les industriels de la détergence. Sauf que les étiquettes aussi, 60 millions de consommateurs les épinglent, pas assez précises, voire trompeuses. Les deux tiers des marques trichent et font rétrécir les pictogrammes de danger, sans doute pour ne pas effrayer le consommateur. Et si le consommateur va devoir redoubler de vigilance pour assainir son intérieur, le magazine ne propose qu'une solution pour se prémunir des dangers de ces produits, s'en passer.